Ingrid Chauvin, son fils la questionne sur sa sœur décédée. La comédienne raconte. Ingrid Chauvin a rapporté ce week-end sur les réseaux sociaux une discussion poignante qu'elle a eue avec son fils Tom à propos de la mort de sa fille Jade. En juin 2014, Ingrid Chauvin perdait brutalement Jade, sa petite fille de 5 mois, des suites d'une malformation cardiaque. Un drame qu'elle a eu bien du mal à surmonter et qui l'a marqué à vie. J'étais dans la cuisine en train de préparer son biberon. Tout à coup, j'ai ressenti un sentiment étrange, comme si l'ambiance qui se dégageait de sa chambre était différente. Je suis restée près d'elle et, petit à petit, j'ai senti son pouls devenir de plus en plus faible. J'assistais, impuissante, au départ de ma fille, relatait-elle dans un entretien accordé à Paris Match en 2015. Quelques années après la perte douloureuse de Jade, la comédienne que l'on retrouve quotidiennement dans Demain nous appartient donnait naissance à un petit garçon prénommé Tom, né le 10 juin 2016. Et le 25 mars prochain constitue une date symbolique forte, puisqu'il marquera le 7e anniversaire de la disparition de sa fille regrettée. Ce samedi 23 janvier 2021, l'artiste aujourd'hui séparé de son mari Thierry Pétieux a partagé avec ses internautes une bouleversante discussion avec son fils. « Maman, si Jade vit sur un nuage, ça veut dire qu'avant elle est morte », a questionné le garçon. « C'est vrai Tom, tu as raison. Mais ça veut dire surtout que la vie ne s'arrête pas vraiment et qu'il y a toujours une part de soi qui reste quelque part », lui a-t-elle expliqué. Face à ce genre de situation un peu compliquée à gérer, Ingrid Chauvin a souhaité donner un conseil simple pour tous ceux qui la suivent. Trouver les mots chaque jour pour ses enfants, être au plus proche de la vérité et tout positiver quoi qu'il se passe. A-t-elle conclu. THL.